Si nous... À moins que... Non. Allez. Ah, la lampe, elle est bien. Ah, on repart. On repart. On est parti à cheval, on revient à cheval. Alors, qu'est-ce qu'on vient mis un soir? Alors, ce qu'on vient vous dire, rigoler. Et du coup, vous l'avez fait quand, Jésus, quelle année? Ouf, là, tu m'en demandes. Tout le monde, tiens un peu, vous m'en tiens un peu. En coup d'où? Oui, oui. Alors, dis-moi, pourquoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Les boys. Et Outre-Iran. Et moi, juste après, 2 ans avant le Covid, les 2 dernières années. Et après, cause de... Ils ont décidé de mettre le Covid et... Bon, et vous, ça s'est passé comment, alors? Dis l'autre, la forêt vous dit l'autre. La vie est encore en noir et blanc. Moi, la première année, je me suis gelé les couilles. Eh, dis. Ah, je me souviens. On va simple à la gousille, on a la trahison. Oh là là. Tout le monde disait, tu joues bien à souffrance, tu joues bien à souffrance. Je souffrais. Je souffre. Je tremblais. Moi, j'avais failli me faire attaquer par l'âne. Il avait fait une espèce de comédie et tout, on avait été obligé de... Ah, moi, il s'est bien tenu. Vous avez eu l'âne? Non. Un homme, toujours. Saint animal, il y en a déjà un saint animal. On se met que c'est rassoumé, on a moule, tout saint animal. Toi, tu m'as dit il y avait la filette. Attends. Tu ravis les tailles. Ok. Tu ravis. Toi aussi. Puis après, on avait ramené une montagne de figurants de Calenzane et tout pour faire les apôtres. Il y avait Jean-Charles, les Sèvres. Ouais, les confrères un peu de partout. Iconoisé, c'était sympa, on avait chanté. Enfin, moi, j'avais pas chanté, j'avais déchanté, moi. Ouais, je veux pas dire, mais il y a certains qui ont plus la face de l'emploi que d'autres. Hein. Ouais, hein. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont plus l'âge aussi. Hein. Et c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai 33 ans. Et on a dû voir tout, on doit la dû voir tout. À 10 ans près, hein. Les années 60, 50. Bien, où c'est vous, Corse? Pensez-vous, c'est bien, Mimi. Non, il y a 2006, mais bon, 2006, 2005, ben. Non, 2006. C'est déjà ça. Ça t'arroche, j'irai au monde, hein. Putain. Simple stade où on est ton créé. Bon, après, moi, ils m'ont payé, en tout cas. Ah bon? Ah ouais? Non, mais en quoi? Ils m'ont payé de suite, après la représentation. En argent. Non, ils m'ont payé. C'est le vrai. C'est-à-dire, une bouteille d'eau. Non, en espèces. Non, mais attends, là, il aborde un sujet sensible. Comment vous n'avez pas été payé? Comment est-on payé? Non, mais un petit cachet, quoi. Moi, j'ai fait ça pour l'honneur, pour la gloire. Écoute, j'ai pas fait ça pour l'argent. Ouais, enfin, la gloire. Quoi qui Tibi Joy Et puis tu donnes de ton temps, ça mérite salaire, moi je trouve, non? Écoute-moi, ils m'ont donné la couronne d'épines, depuis je la porte sur la tête, mais à part ça. Mais encore. Bon, enfin. Mais toi, il y a Gabriel, il n'aime ça. Parce que quand je les vois tous les deux, je me dis, putain, il y a un truc quand même, tu vois. Peut-être que nous, on a été à poil rachitique et tout. Bon, on a dû être pris pour la musculature, je pense. On voit ton casting, il est mieux, quoi.
moi j'aurais coûté cher. Je suis plein de tatouages, ils ont fallu qu'ils mettent le maquillage, le fond de teint pour tout enlever. J'ai un truc bouddhiste en plus, enfin, ah ouais, le Jésus avec un truc bouddhiste. T'as une croix, non? T'as une croix aussi? Non, j'ai un ange, un truc bouddhiste, non, j'ai pas de croix. Ah oui, la croix. Tu aurais pu la faire. Et la croix. Elle pesait combien de kilos? Non, ça va, elle était assez lourde mais portable, ça va. Putain, ils étaient payés. Ils avaient une croix en bois. Vous, elle était quoi? Ils ont coupé en fonte. À nous, à mon avis, ils ont mis du métal à l'intérieur. Et la scène de la torture, là où il se fait fouetter, vous l'avez fait ou pas? Non, non. Aspite, ça. Moi, il m'a caché. Est-ce que c'était la passion? C'était les mêmes qui étaient. Et c'était assez bien fait, ça. J'avais bien aimé cet effet visuel. Tu avais bien aimé te faire fouetter. Encore maintenant. Décider des règles quand on veut, ouais, du sens vrai. De la vie que l'on veut. Vas-y, on n'a pas fait le Christ pour rien. Ouais. Ben moi, je vais prendre le... Mais à mon avis, nous choisissent d'avoir des études de cas, des trucs. D'après ce que j'ai entendu, il y a un pré-casting. C'est-à-dire que depuis ta naissance, tu es suivi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Tu es suivi. Qu'est-ce que tu représentes dans la ville, dans le truc? Ils regardent comment tu as évolué dans ta vie et tout, et il y a un pré-casting. C'est pas que la ressemblance. Non, c'est pas qu'il y a des gens qui sont payés. Ouais, plein de dans ta dossier. Les villas, etc. dans ta dossier. C'est quoi, des gens d'espions? Des genres d'émissaires restaurants, des infiltrés. Ils s'infiltrent dans la vie sociale. On regarde toutes les conneries que tu as pu faire dans ta vie. Depuis, je suis très très pieux. Ok, ouais, moi aussi ça. J'ai été tellement investi par le rôle, je me suis jamais vraiment sorti complètement de ce indéniable. Ouais. Après, sans déconner, c'est un rôle extraordinaire. Bah, c'est un Mac, hein, Jésus, on est du Mac. Putain, il est trop Mac. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Hein. Non, mais il avait des bonnes réflexions. À sa gauche. Ouais, mais je sais pas, moi je sais pas l'émotion que vous avez ressentie, mais c'est un truc. Et ouvrez donc. Ouvrez, lui. Vous êtes un petit Louis B. Maintenant un peu. Vous êtes un petit Louis B. C'est impressionnant. C'est scarce. Mouillo galera, mou scarce. Tenez une guerre, non? Pas un coup d'outil, on va voir. Per me è stata un'esperienza ricca assai di emozioni, di amicizia in noi, con i rapporti con Sbeglio Galvese, che mi ha accolto, e sono stato impressionato dal lavoro che sono stati capaci di fare, di organizzare e di portarmi a fare il Cristo, non pensare mai di un dia che è un giorno, e di noi, in una certa maniera, di giungere a una certa spiritualità che mi ha marcato assai. Je crois que quand j'ai fait cette passion, je crois que j'étais sur un nuage, béni a digo minchao de adro, e de ridroam ya fa o gristo do boa, ker ki se ti mana gozi di de adro, so sta do veramente como soin di va o gristo, a mesa avilita, a mesa iganti, e di veramente una stonda ricca, qui m'a fait de nous dévorte à Usbelu Galvese et dira ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué pour toujours, puisque à partir de là j'ai aussi pris le virus du théâtre et donc bon qui poursuit des boy qui a dû voir tout gris finalement n'a dû mai boire resta de divo au théâtre et poursuit qui dans ta passion et n'a dû mai ris au gousi dit que è quantunque una storia seria, ma c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup ri sur les répétitions de la passion. Assai Evra de Lens, et pour moi ça reste vraiment couplé avec l'expérience du Sbeglio Galvese et tous les moments que j'ai pu vivre au Sbeglio pendant quelques années. Moi c'est l'expérience en fait théâtrale dans son ensemble. C'était ma première aussi expérience théâtrale et mon unique expérience. Et je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions de la part des gens à la fin. Ça m'a donné quelque chose, ça m'a donné énormément. Et je ne m'attendais pas qu'il y ait autant d'émotions dans le public, en fait, pendant la représentation et surtout à la fin. C'était une super expérience.
par rapport à ça, quoi. Cet échange qu'il y avait, et puis bien sûr après sur toute l'équipe, tous les gens, Orlando, voilà, comme une famille et tout ça, c'est le premier bain théâtral en fait qui m'a plu. Alors moi, un grand moment d'une grande émotion pour moi, c'était la première représentation que j'ai faite, et c'était la dernière scène du Christ quand la croix se lève face au public, et j'ai entendu la réaction du public. Visuellement, ça devait être énorme, et même moi, j'ai reçu une grande émotion avec, avec le chant des confrères, tout ça, et ça restera en moi, quoi. Voilà.